Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, donc je vous propose de commencer notre séance avec l'installation du remplaçant de M. Bernard Gerbaud, issu du groupe 88, M. Place. M. Place, bienvenue chez nous. Nous avons quelques absents ce soir. Mme Dufossé, qui a donné pouvoir à Mme Valérie Promalet. Monsieur Vanek, qui a donné pouvoir à Madame Dumoulin, et Monsieur Iacovella, qui est noté absent. Je vous remercie. Nous devons désigner un secrétaire de séance. Je propose que Madame Rotkopf soit notre secrétaire de séance ce soir. Donc, comme je vous le disais, donc, j'ai reçu le 15 février 2024 une lettre de démission de Monsieur Gerbaud pour des raisons d'organisation du collectif 88, devenu incompatible avec son souhait d'autonomie et de liberté d'expression, tel qu'il l'a écrit dans son courrier. J'ai donc accusé réception de ce courrier à M. Gerbaud le 20 février 2024, ensuite informé M. le sous-préfet et informé Mme Cuisson-Sophie, venant immédiatement après le dernier élu de la liste collectif 88, en la convoquant au prochain conseil municipal. Le 29 février, j'ai reçu une lettre de démission de Mme Cuisson, car sa situation personnelle a pris un tournant différent depuis les élections municipales. Ainsi, j'ai donc accusé réception à Mme Cuisson de son courrier le 4 mars. J'ai informé M. le sous-préfet et informé M. Place Raphaël par courrier, venant immédiatement après le dernier élu de la liste 88, et je l'ai convoqué pour le conseil de ce soir. Et nous avons appris donc le 13 mars, avant même de recevoir un courrier, que M. Place se faisait une joie d'accepter de siéger, ce dont nous ne doutons pas. En ce qui concerne les commissions auxquelles était membre M. Gerbaud, c'est-à-dire la commission d'urbanisme, la commission des sports, la commission consultative des services publics locaux en tant que suppléant, et le conseil d'administration du CCAS, je demanderai à M. Besson, le président du groupe, de me faire savoir avant le prochain conseil municipal donc, que sa proposition pour le remplacer donc, dans ces quatre commissions, de façon à ce que nous puissions prévoir son remplacement pour le conseil municipal du 11 avril. Tout est clair, M. Besson. Oui, bonsoir à tous. Simplement pour dire que M. Place va prendre les fonctions qu'occupait M. Gerbaud et donc il siégera dans les commissions. Si ça vous convient, vous avez l'information maintenant. Vous me ferez quand même un écrit, s'il vous plaît. Entendu, merci. Parfait. Nous devons approuver le procès-verbal de la séance du 8 février dernier, ce qu'il appelle des observations de votre part. Je soumets à votre vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons aussi, nous devons rendre compte l'exercice des pouvoirs délégués du maire. Il y a eu depuis le dernier conseil municipal 39 décisions. Je n'ai pas reçu de questions concernant ces décisions. Je vous propose donc notre première délibération. C'est M. Lambert qui va nous proposer une subvention exceptionnelle pour le comité commémoratif de la libération et des actions de la résistance du Rouennais. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Le comité commémoratif de la libération et des actions de la résistance du Rouennais, effectivement représenté par M. Deambrogio, souhaite amener nos élus du conseil municipal des jeunes à Oraoudour-sur-Glane. Je rappelle que le massacre de ce village le 10 juin 1944, dont nous fêterons le triste anniversaire du 80e anniversaire cette année, a fait plus de 642 victimes, dont plus de 200 enfants, et seules 6 personnes ont survécu à ce massacre. Une visite du musée et du village martyr est prévue mardi 16 avril 2024. Une délégation d'environ 30 jeunes du conseil municipal des jeunes de Rouen, avec ma collègue Hélène Lapalu, se rendra donc lors de cette visite. Collégiens donc, et lycéens issus du CMJ. Cette visite sera suivie d'un dépôt de gerbes en présence du maire d'Oraoudour-sur-Glane. Et évidemment, nous avons souhaité apporter une aide financière en soutien au devoir de mémoire par rapport à ce projet qui nous semblait important, à savoir une aide complémentaire de 500 euros qui vous est proposée d'adopter ce soir, soit une subvention exceptionnelle, et de dire que cette dépense sera inscrite au budget, au poste budgétaire ad hoc. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je soumets à votre approbation des votes contre, des abstentions. Je passe la parole à Madame Dana Burnichon pour une mise à disposition gratuite de la salle Fontalon. Oui, Monsieur le maire, France Bénévolat Loire présente la troisième édition des Merci aux bénévoles en partenariat avec TL7. Après Saint-Étienne et Montbrison pour Loire Sud, c'est au tour de France Bénévolat Loire Nord d'accueillir cette manifestation ouverte au public qui aura lieu le 31 mai prochain à la salle Fontalon.
Vous êtes une association ligérienne non sportive, vous avez un projet à but non lucratif qui verra le jour en 2024 sur un des quatre thèmes suivants: solidarité humanitaire, environnement et économie solidaire, culture et patrimoine, famille et loisirs. Vous avez jusqu'au 31 mars pour candidater. Deux lauréats par catégorie se verront attribuer une récompense et un prix coup de cœur sera désigné. Mais au-delà de seulement présenter la manifestation orchestrée par France Bénévolat Loire-Nord, promouvoir et développer le bénévolat sur le Rouennais sont des missions que notre municipalité défend depuis 10 ans maintenant. Soutenir une initiative ligérienne qui récompense les bénévoles, et notamment les bénévoles rouennais, ne peut qu'avoir un écho favorable. Je vous incite, mes chers collègues, à être présents à cette belle soirée des merci aux bénévoles qui s'annonce et que nous sommes heureux d'accueillir à Rouen. Et vous demande de bien vouloir examiner et approuver la mise à disposition gratuite de la salle Fontalon à France Bénévolat Loire-Nord pour l'organisation de l'édition 2024 des merci aux bénévoles. Je vous remercie. Très bien. Y a-t-il des questions ? Monsieur Besson. Oui, une remarque par rapport au sujet du bénévolat. De façon générale, on saisit la balle au bon justement pour rappeler l'importance du soutien à ce monde bénévole qui s'engage et faire une focale plus particulière sur l'ensemble du monde bénévole qui est en première ligne sur les questions de la souffrance humaine, de la précarité, qu'elle soit du logement, de l'alimentation. Et de ce point de vue-là, réinsister, on l'a fait dans les bilans, dans les débats d'orientation sur les budgets primitifs, mais de réinsister sur l'importance pour nous que la ville de Rouen accentue son aide et son travail à travers le CCAS et à travers le soutien à ces associations-là pour qu'elles puissent justement œuvrer avec le moins de difficultés possible. Il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, des alertes de plusieurs associations, à la fois Pharaon Rouennais, qui encore récemment intervenait, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, et elles prennent part à un effort d'aide qui est vraiment colossal et sur lequel on pense qu'on doit faire plus que ce qu'on fait actuellement. Si on regarde, les Restos du Cœur ont servi à accompagner plus de familles dans les premiers mois de 2024 que nous sur l'ensemble de l'année 2023 au niveau du CCAS. Au niveau de Pharaon Rouennais, on vous a fait des propositions, il y a deux conseils municipaux justement pour renforcer notre travail et notre accompagnement en termes de possibilités de logement qui aujourd'hui sont restreintes. Et voilà, et donc du coup, d'être à la fois soutien et de remercier les bénévoles, mais en même temps de se dire que nous devons accentuer nos efforts pour les aider, puisque tout ce que la ville fera, sans se reporter sur les responsabilités des autres organisations, que ce soit l'État ou les associations qui sont justement en première ligne pour travailler, et ben voilà, ce sera de la solidarité sur le front de la solidarité, et on vous invite fortement à accroître cette orientation-là pour cette année et également pour les années suivantes. Merci. Merci de vos invitations. D'autres questions ? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Guillermin, nous allons parler défis sport-famille et des tarifs. Oui, en effet, monsieur le maire, nous renouvelons cette année l'événement défis sport-famille qui se déroulera cette année le 5 mai de 9h à 17h sur différents sites tels que les bords de Loire, la base nautique, l'espace Varennes et Malval-Fontalon. Il sera proposé, comme d'habitude, un enchaînement d'activités sportives et ludiques, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ça sera des équipes formées soit sous forme de duo ou de trio, et les personnes pourront s'inscrire jusqu'au 2 mai. Le quotient familial, en ce qui concerne les tarifs, le quotient familial inférieur ou égal à 900 euros, l'inscription sera gratuite, et le quotient familial supérieur à 900 euros, l'inscription s'élèvera à 10 euros. Il vous est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver les tarifs évoqués précédemment. Merci. Des questions ? Je soumets à votre approbation. Des votes contre ? Des abstentions ? Deux sujets sur les ressources humaines. Madame Fénoux, pour une légère mise à jour du règlement intérieur. Oui, merci. Donc, en janvier 2019, le règlement intérieur a été mis en place au sein de la ville de Rouen.
Donc il convient de le mettre régulièrement à jour, donc en fonction des évolutions réglementaires et des besoins de la collectivité. Donc ce soir, nous présentons une version, donc une cinquième version donc, de ces règlements intérieurs. Donc les modifications portent uniquement donc, sur le temps partiel thérapeutique afin d'être conforme à la réglementation. Donc actuellement, le capital des congés reste celui attribué sur un temps complet et il est demandé aux agents en temps partiel thérapeutique de recalculer leur nombre de jours à poser. Donc ainsi, par exemple, un agent à temps partiel thérapeutique à 50% souhaitant une absence de 0,5 jours doit poser un jour de congé. Donc cette pratique est peu lisible et non conforme à la réglementation. Donc les capitaux de congé sont désormais recalculés donc, par le pôle des ressources humaines et à chaque changement de quotité de travail lié au temps de temps partiel donc, thérapeutique, donc, l'agent posera donc, l'absence réelle qu'il souhaite. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal donc, de bien vouloir abroger la délibération numéro 4 donc du 21 décembre 2023, donc portant sur la mise à jour du règlement intérieur, d'examiner et approuver la modification du règlement intérieur, donc titre 2, chapitre 6, examiner et approuver le règlement intérieur, donc version 5, que vous avez en pièce jointe, et fixer donc la date d'application de cette présente modification, donc au 1er avril 2024. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Je soumets à votre approbation des votes contre, des abstentions ? Merci. Madame Lupu Bratilovianu pour une convention d'adhésion au service du pôle prévention et santé du CDG 42. Tout à fait, monsieur le maire. Tout d'abord, nous souhaitons et nous nous devons de veiller à la sécurité et à la protection de nos agents. Et pour cela, la ville a déjà délibéré le 10 novembre 2023 pour la mise en place d'un dispositif commun avec les différentes entités en santé et sécurité au travail, pour renforcer ses actions autour de la prévention avec le centre de gestion de la Loire. Ces actions sont pilotées en partenariat donc avec le centre de gestion et le pôle des ressources humaines mutualisées et font l'objet d'un suivi régulier. Vous l'aurez compris, dans un objectif de maintenir en bonne santé les agents de la ville, de respecter les obligations réglementaires, mais également de favoriser la prévention par des actions sur le terrain, la ville de Rouen souhaite conventionner à nouveau avec le centre de gestion de la Loire. La nouvelle convention présente deux possibilités d'options, la médecine de travail et la prévention des risques professionnels. Et la ville a souhaité retenir la première option, car celle-ci répond aux exigences réglementaires de notre ville auprès de ses agents, notamment concernant les visites médicales d'embauche, les visites d'information et de prévention, visites pour les agents en surveillance médicale particulière, visites à la demande de l'agent ou de l'employeur, etc. Et ne change pas ce que nous appliquions avec la convention précédente. Il est donc demandé au conseil municipal de ce soir de bien vouloir examiner et approuver la présente convention d'adhésion au pôle prévention et santé de centre de gestion de la Loire, option médecine de travail. Merci. Je vous remercie. Des questions ? Je soumets à votre approbation, sachant que Madame Filou et moi-même ne prenons pas part au vote. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Nous avons deux dossiers qui concernent la rubrique commerce et artisanat. Le premier, c'est Madame Rodkoff qui va nous parler donc du soutien au commerce et artisans locaux. Oui, merci Monsieur le maire. Vous l'avez constaté, depuis lundi, les travaux de réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville et de la rue Jean Jaurès ont débuté. Un certain nombre de commerces bénéficient, pour certains, d'une autorisation du droit d'occupation du domaine public. Pour d'autres, sont redevables de la ville auprès de la ville de Rouen, pardon, de la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure. Compte tenu des travaux, nous vous proposons de pouvoir les exonérer de manière à les soutenir dans leur activité en cette période qui risque d'être un petit peu perturbée et un peu plus compliquée. Par extension, la rue de Sully et la rue Saint-Lingros sont elles aussi fortement impactées par les travaux de Fauche-Sully. Et donc, il est de ce fait proposé d'exonérer également les commerces présents sur ces deux voies pour l'occupation du domaine public. Donc, pour les premiers, pour les années 2024 et 2025, puisque les travaux viennent de débuter. Pour les seconds, pour les années 2023, 2024 et 2025, donc les années impactées par les travaux. Je vous en remercie. Avez-vous des questions ? Alors, j'ai Monsieur Pion et ensuite j'ai Madame Chevillard.
Monsieur le maire, merci pour votre engagement envers les commerces du centre-ville via des exonérations fiscales, mais il est également crucial d'étendre cette assistance aux commerçants rue Maréchal-Foch, tout particulièrement ceux entre la taverne et la rue de Sully. En effet, sur cet espace-là, il y a plus de 10 pas de porte qui sont fermés ou en difficulté, comme Coraline et Jardin de Papier, ainsi que le départ annoncé en face de la taverne du Crédit Mutuel. Donc il est important d'agir. Vous pourriez par exemple envisager des exonérations fiscales et des subventions pour les investissements, ainsi que l'exercice du droit de préemption pour l'achat des fonds de commerce vacants, suivi de leur location à de nouveaux commerçants à des tarifs très abordables. De plus, des initiatives telles que des newsletters, des SMS promotionnels et des cartes cadeaux pour les commerçants indépendants pourraient être mises en place avec le concours de la municipalité. Il pourrait ainsi être envisagé un soutien numérique via un programme de formation à l'espace numérique, ainsi qu'une aide au référencement sur les réseaux sociaux. Enfin, le développement du commerce en ligne est essentiel pour éviter que notre centre-ville ne se transforme en désert commercial. Merci pour votre écoute. Merci, Monsieur Pion. Ensuite, Madame Chevillard. Oui, bonsoir à tous. Alors, c'est plus sous forme de questions. D'après la délibération, il est proposé l'exonération seulement du droit d'occupation du domaine public pour les commerces de rue de Sully et Salengro. Donc pourquoi ils ne sont pas exonérés de TLPE, eux aussi? Et puis savoir quel est le montant de ce que ça va représenter au niveau des exonérations, en fait, sur ces deux ou trois années. Merci. Madame Rodkoff vous répond à tous les deux. Alors, Monsieur Pion, alors je n'ai pas noté toutes les aides que vous proposiez, mais... alors une partie, vous j'ai entendu parler du droit de préemption. Le droit de préemption, effectivement, la ville de Roanne en est dotée. Pour autant, et ayant à gérer de l'argent public, nous n'avons pas fait le choix et nous ne faisons pas le choix de racheter les commerces laissés vacants par les commerçants qui ferment. Et d'ailleurs, et je m'en réjouis, on se rend compte malgré tout, malgré vos dires, que la ville de Roanne est hyper dynamique et qu'à chaque fois qu'un commerce ferme, il trouve preneur. Pour les commerces de la rue Maréchal-Foch que vous citiez, oui, effectivement, alors moi qui suis née à Roanne, je peux vous le dire, et les commerçants vous diront la même chose pour ceux qui sont là depuis de nombreuses années. C'est une rue qui a toujours été assez fluctuante, on ne sait pas l'expliquer, mais c'est vrai que c'est une rue qui est tantôt hyper dynamique, tantôt qui est en perte de vitesse et qui repart. Le contexte est un peu compliqué, mais en tout cas, on les accompagne autant qu'on peut. Non seulement la ville de Roanne, mais, et c'est une partie des, pour le reste de la réponse dans ce que vous préconisiez, les aides de mise en ligne, le commerce virtuel, les newsletters, etc. Mais ça, c'est déjà fait. C'est fait en partie par la CCI, pour les ressortissants de la CCI, en partie par la Chambre des métiers, et surtout par les vitrines de Roanne, qui est l'association des commerçants, qui produit des newsletters à minima une fois par semaine, et donc le lien entre les commerçants est présent, et les acteurs sont tous, sachez que tous les techniciens des quatre collectivités que sont Ville de Roanne, CCI, Chambre des métiers et Vitrine de Roanne se rencontrent toutes les semaines. Donc on a vraiment une ligne directe avec les commerçants, et on a un manager de commerce évidemment à disposition pour les accompagner. Donc je crois que de ce côté-là, on coche toutes les cases que vous avez données. Madame Chevillard, les commerçants de la rue Salengro et de la rue de Sully ne sont pas concernés par la TLPE. En fait, il y a une exonération en dessous de 7 mètres carrés, si je ne dis pas d'ânerie. Et donc, les commerçants qui sont dans ces deux rues-là ne sont pas concernés, ne sont pas redevables de cette taxe-là. Sinon, ils auraient été évidemment exonérés. Quant à la somme, je ne sais pas si on a une estimation. 23 700 et des poussières, me souffle le maire. Merci. Pour l'intégralité et pour les 3 ans. Donc par an. Par an. Par an. Fois 3 donc. Fois 3. D'autres questions? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Madame Vermorel, vous allez nous parler maintenant des animations des vitrines de Roanne et du déballage et des défilés des braderies. Oui, en effet, Monsieur le maire, dans son optique constante de dynamiser son centre-ville tout en favorisant son attractivité, l'association des vitrines de Roanne organise pour la 5e année 2 déballages les samedis 6 avril et 6 juillet 2024, ainsi que son 3e défilé de mode qui aura lieu dans les rues piétonnes et sur la place du marché le samedi 4 mai 2024.
Afin de les aider et à chaque fois que cela lui est possible, la ville de Roanne soutient le commerce local. C'est pour cela qu'elle souhaite exonérer tous les commerçants sédentaires et participants des droits d'étalage. Pour les boutiques situées dans les rues piétonnes Charles de Gaulle et Maréchal Foch, ainsi que dans les rues Jean Jaurès et Alsace-Lorraine. Tout étalage devra cependant respecter les circulations piétonnes et routières, ainsi que les places réservées au stationnement. Il est également proposé d'exonérer des droits d'occupation du domaine public les diverses animations qui viendront compléter l'attractivité de la grande braderie des vitrines de Roanne le dimanche 8 septembre 2024, comme le parcours draisienne, structure gonflable ou encore stand de restauration. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'exonération des droits d'occupation du domaine public pour ces quatre dates. Merci. Monsieur Place. Roulement de tambour, mesdames, messieurs. Bonsoir, bonsoir Notre à tous. Notre comédien préféré va intervenir. Je suis ravi d'être ici et je suis ravi de pouvoir intervenir dans cette enceinte qu'est le conseil municipal et qui est quand même une enceinte importante pour la ville de Roanne. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu sur la question de la mode. En fait, si on regarde sur le site de l'ADEME, clairement, il est écrit de façon claire et posée, les conséquences sociales et environnementales sont désastreuses. On est d'accord que le site de l'ADEME, c'est un site qui est quand même plutôt étatique, plutôt sûr. Je ne vous ai pas pris n'importe quel site. Et par conséquent, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur cette question-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et ça fait plusieurs années qu'on vous le demande, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une dimension écologique à ce défilé, quelle qu'elle soit? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les vêtements qui sont proposés et qui sont proposés sont des vêtements invendus. On pourrait imaginer que les vêtements qui sont là sont des vêtements, je ne sais pas, qui sont des bio-coton bio, qui sont du Made in France, etc. Quelle que soit la manière peut-être d'amener la chose. Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse, parce que l'industrie de la mode, concrètement, en 2050, ce sera 26 milliards de tonnes, 26%, pardon, 26% de pollution de gaz à effet de serre en 2050. Donc, il y a une vraie question de comment arriver à s'habiller sans rentrer dans de la surconsommation. Et du coup, nous vous invitons, justement, encore une invitation, nous vous invitons à ajouter un petit peu plus un côté social et écologique, particulièrement dans ce défilé. Merci. Madame Rotkopf. Il ne vous aura pas échappé que ce défilé est organisé à l'initiative des vitrines de Roanne, qui est l'union commerçante, et donc pas par la ville de Roanne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans un pays libre où l'acte d'achat et l'accès au commerce l'est tout autant. Alors, j'entends le monde idéal dans lequel vous voulez vivre, mais le monde réel dans lequel nous vivons, nous, c'est un monde où, effectivement, chacun a le choix de pouvoir ou non consommer et de la manière dont il l'entend. Moi, je pense que, et il faut réagir autrement, et je réfléchis autrement, c'est qu'aujourd'hui, le moyen le plus vertueux de consommer, c'est de consommer local. Si on laisse les magasins, les boutiques à l'abandon, nos boutiques roannaises, et si on ne les soutient pas, eh bien, tout simplement, le choix, ce sera soit de se déplacer et d'aller dans les grandes villes, soit, comme le font déjà certains, et je vous avoue que ça me pose moi aussi un réel problème, consomme directement sur Internet. Je ne vais pas vous faire, à vous, l'affront de vous dire à quel point le bilan carbone des commandes sur Internet sont catastrophiques. Alors oui, on soutient le commerce roannais parce qu'on estime que le commerce de proximité est le meilleur moyen de pouvoir laisser librement nos concitoyens faire leurs achats, avec en même temps une réflexion. Derrière chaque commerçant, il y a une famille qui vit du commerce. Et derrière l'ensemble des commerçants roannais, il y a une ville entière et il y a tout un pan de l'économie qui en dépend. Soutenir le dynamisme du commerce roannais, c'est soutenir son économie, c'est soutenir le tourisme, c'est soutenir le fait que les familles roannaises peuvent vivre et consommer, évidemment, sur place. Donc oui, on soutient le commerce de proximité et je vais même vous dire que nous continuerons à le faire, autant avec les délibérations que j'ai déroulées précédemment, que celle que ma collègue Sabine vient de vous présenter, parce que je pense que dans le monde idéal que vous imaginez, je ne vois pas du tout
Comment, alors on est après, on n'est plus dans, une, dans un pays libre où chacun consomme comme il l'entend, mais en tout cas, pour ma part et pour notre part, nous continuerons à soutenir le commerce rouennais et ça me semble juste incontournable. Je rajouterais quelque chose, Monsieur Place. Je vous rejoins sur le fait qu'effectivement aujourd'hui, une partie de la filière textile-habillement, que l'on appelle la fast fashion ou l'ultra fast fashion, provoque un tel turnover de vêtements qui deviennent quasiment jetables que tout cela pousse à une production effrénée dont nous savons très bien aussi qu'une part infime de cette production est fabriquée encore dans les pays européens. Et donc avec des coûts de transport qui sont très importants et qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie mondiale du textile habillement émet deux fois plus de CO2 que l'ensemble des transports maritimes et aériens sur notre planète. Donc il est clair qu'il va falloir faire quelque chose. Alors je sais bien, on a déjà eu ce débat avec M. Besson, chacun doit prendre sa part. On ne peut pas se dire, à la ville de Rouen, nous ne faisons rien et il faut que ce soit les États... les accords commerciaux internationaux qui traitent le sujet. Donc, bien évidemment que je pense que nous prenons notre part ici à Rouen et dans beaucoup d'autres villes pour essayer donc de limiter les uns et les autres les impacts carbone de chacune de nos activités. Néanmoins, comme l'a rappelé Mme Rotkopf, ce n'est pas à nous de définir des normes dans lesquelles il y aurait un pourcentage de fils, de matières qui soient issues de pays plus proches des nôtres, de main-d'œuvre qui doit être quantitativement plus importante ici par rapport à la production qui est effectivement très loin. Ce n'est pas à nous de le définir. Nous sommes dans un pays qui a ses propres règles et qui, pour beaucoup d'entre elles, et de plus en plus d'ailleurs, sont normées de façon européenne. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut effectivement, je pense, lutter là-dessus et je crois savoir que le Parlement se préoccupe de ce sujet et qu'il y a eu encore pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs donc, des sujets sur une marque qui est très prisée des jeunes, qui s'appelle Shein, et qui effectivement pratique cette ultra fast fashion. À l'époque où j'étais rapporteur pour le Premier ministre de l'industrie textile habillement, nous parlions donc de collections annuel, de deux collections annuelles pour le prêt-à-porter, puis après de quatre collections. Et aujourd'hui, on se rend compte que des marques comme celles que je viens de vous citer sortent 6000 produits jour. 6000 nouveautés jour. C'est-à-dire que c'est une course effrénée. Et donc ça, la ville de Rouen, même si nous partageons ce point de vue, n'a pas malheureusement le levier pour pouvoir agir. Donc c'est un débat qu'il faut porter aussi dans d'autres sphères. Après, nous, qu'est-ce que nous faisons ici? Parce qu'on parle de quoi? On parle donc d'un défilé de mode par rapport à des commerçants qui sont installés ici, qui ont pignon sur rue. On ne parle pas d'un défilé de mode par rapport à, comme l'a dit Mme Rotkopf, à des enseignes qui sont uniquement sur Internet et qui, elles, justement, sont au cœur du sujet que je viens d'aborder. Donc nous devons concilier le soutien au commerce local, parce que sinon, comme ça a été justement dit, si nous n'arrivons pas à maintenir nos commerçants dans nos rues commerçantes, tout se passera sur Internet et on ne va faire que développer effectivement cette fast fashion et cette ultra fast fashion. Et par conséquent, nous avons fait, nous, le choix de soutenir nos commerçants pour pouvoir les aider à se faire connaître et donc à vendre avec des emplois donc qui soient si possible de proximité, tout en n'oubliant pas que, bien évidemment, parmi nos commerçants, beaucoup achètent eux-mêmes des produits qui ne sont pas fabriqués en France ou en Europe, mais on parle aussi donc des commerces et des emplois que nous avons ici sur notre ville. Donc je partage avec vous, et je pense que nous sommes unanimes autour de cette table, à considérer qu'effectivement il faudrait trouver des moyens pour que on arrête cette frénésie de production anarchique de vêtements et par conséquent de stopper cette mode permanente. Maintenant, je ne suis pas sûr que nous puissions avoir les outils au sein du conseil municipal et au sein de la ville de Rouen pour y répondre. J'ai néanmoins entendu vos propositions
que je vous invite à faire par écrit directement auprès des vitrines de Roanne pour peut-être insuffler eh bien, l'année prochaine, dans le prochain défilé, des critères tels que vous les avez évoqués donc, tout à l'heure dans votre intervention. Voilà les réponses que je voulais vous faire. J'ai bien noté que vous aviez demandé la parole pour reprendre le sujet, mais avant même, M. Pion souhaitait dire un mot. Pensez éventuellement et mettre en place des stands, justement, avec les productions purement locales qu'on peut trouver sur Saint-Symphorien, La Pacaudière, Riorges. Ce serait juste une petite annexe par rapport au défilé en tant que tel, qui pourrait justement permettre aux Rouennais de connaître ce qui se fait localement, quoi, en fait. Merci. Alors, oui, enfin, sauf que vous avez cité trois communes qui ont des implantations. Saint-Symphorien-de-Lay, c'est Hermès qui teint et qui donc fabrique les carrés Hermès. Je ne sais pas si tout le monde connaît le prix d'un carré Hermès. Je ne suis pas sûr que ça soit accessible à toutes les bourses. En faire la promotion, pourquoi pas? C'est la promotion du savoir-faire. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça déclenche des envies d'achat de produits locaux. Pas plus que ceux que les robes Christian Dior qui sont fabriquées à La Pacaudière. Donc oui, nous avons des savoir-faire qui sont prestigieux, nous avons des ouvrières et des ouvriers qui sont de très grande qualité, et d'ailleurs nous avons implanté un maroquinier qui travaille désormais pour une grande marque mondialement connue dans le domaine de la maroquinerie. Donc, mais de là donc, à faire des stands avec ce type de produit, d'abord connaissant leur peu d'appétence pour se montrer et rester discret, surtout, je ne suis pas sûr que cette proposition trouve donc, grâce à leurs yeux. Maintenant, bien évidemment, nous avons la chance encore d'avoir quelques fabricants qui ne sont pas forcément des fabricants dans le luxe, mais qui restent quand même assez peu nombreux sur notre territoire. Je rappelle que Roanne comptait plus de 30 000 emplois textiles il y a une quarantaine d'années, qu'aujourd'hui nous sommes à peine, je ne sais même pas si on les dépasse, aux alentours de 2 000. Monsieur Place. Il n'y a pas de problème pour soutenir le commerce local, et vraiment, si vous voyez dans cette intervention un non-soutien au commerce local, c'est qu'on ne s'est pas compris. En fait, vraiment, l'idée, c'est au contraire de soutenir le commerce local en proposant peut-être de mettre en valeur l'idée de recycler, l'idée de réutiliser les vêtements, etc. Il n'y a pas du tout dans cette idée l'idée de ne pas soutenir le commerce local. Et nous, on est d'accord pour vous animer les rues piétonnes avec des choses artistiques, etc. Il n'y a pas de problème. Et nous, ce qui nous gêne dans la question du défilé de mode, c'est que c'est quand même montrer que la mode est quelque chose de positif. Et après, vous allez mettre en valeur aussi ce défilé de mode dans les Rouen Mag, etc. Et c'est montrer que la mode est quelque chose de positif, alors qu'en réalité, ben, le message vraiment qui est que la mode crée de la surconsommation, il est important. Et la dernière chose quand même que je voudrais dire, c'est que, oui, voilà, vraiment, nous, notre but, c'est pas d'être contre la liberté. Et concrètement, les vitrines de Roanne ont le droit de faire ce défilé, il n'y a pas de problème. Simplement, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas les exonérer de droits d'occupation du domaine public. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, ils ont le droit de le faire. Et de toute façon, la ville n'aurait pas la possibilité de les interdire de le faire. Mais l'idée de soutenir cette démarche-là sans aucune perspective écologique, quelle qu'elle soit, pour moi, me gêne et pour nous gêne. Ça, c'est un autre sujet, mais si vous voulez qu'effectivement, demain, nous conditionnons nos soutiens à des associations qui sont écologiquement vertueuses, on va très vite, malheureusement, ne plus financer aucune association sportive, parce qu'ils n'auront pas le short fabriqué donc en produits recyclés, le t-shirt qui ne soit pas fabriqué au Pakistan, etc., etc. Il ne faut pas tout mélanger. Je pense que, en plus, je n'ai pas le prix, mais on devrait d'ailleurs avoir l'exonération donc, de l'usage du domaine public, mais c'est quelques dizaines d'euros, c'est rien, c'est juste un soutien pour leur dire nous sommes aux côtés des commerçants de Roanne qui se bougent pour essayer de vivre, d'exister, quelquefois de survivre. Et donc, nous allons effectivement vous les mettre à disposition la place donc, du marché, une partie de la rue Charles de Gaulle, pour que vous puissiez faire votre défilé. Franchement,
ce n'est pas un grand engagement donc, que nous prenons. Mais attention, je vous le dis, si on se met, et pourquoi pas, ça viendra peut-être, mais à mettre des critères environnementaux dans toutes les subventions qu'on va apporter, je peux vous garantir que la ville de Rouen va faire de très très grosses économies. Ça, c'est sûr. Madame Petit. Merci, monsieur le maire. C'est un sujet sur lequel je me permets de rebondir, à la fois sur vos mots, monsieur le maire, puis également sur vos préoccupations environnementales, monsieur Place, et vous annoncer que justement cet après-midi, en toute fin d'après-midi, notre député du Roannais, Antoine Vermorel-Marquez, nous avons sa suppléante ici, qui est au sein de notre conseil, a fait adopter à l'unanimité, et c'est historique, une proposition de loi qui appliquera désormais donc un malus à l'encontre de la fast fashion. Merci. Sophie Rodkopf, et après on passe au vote. Oui, juste pour vous dire, alors, je suis heureuse d'entendre que vous n'êtes pas contre cette... Enfin, en fait, ça commençait bien, parce que vous me dites on n'est pas contre le défilé. Non, mais je réfléchis à voix haute. Vous avez démarré en disant, votre deuxième intervention, on n'est pas contre le défilé, contre le soutien au commerce local. Mais pour autant, visiblement, l'exonération vous pose un problème. Voilà. D'abord, je ne trouve pas ça très cohérent. Et ensuite, ce n'est pas du tout antinomique. Et peut-être qu'effectivement, c'est peut-être une piste de réflexion pour l'avenir. Mais on peut exonérer le défilé, on peut le soutenir, on peut trouver que c'est une bonne initiative parce que c'est une initiative locale qui vise à mettre en avant les commerçants rohanais, qui en plus, je le précise quand même, travaillent dans l'inclusion puisqu'ils travaillent avec une association qui fait défiler des jeunes handicapés. Et je trouve que c'est un symbole qui est quand même superbe, ça on peut tous le saluer. Mais concernant le recyclage des vêtements, etc., mais pourquoi pas l'associer et en faire un dialogue aussi. C'est pas antinomique de faire à la fois un défilé de mode et après de dire bah, soyons un peu vertueux et un peu raisonnables dans l'absolu. Mais après, on reste quand même dans un pays, Dieu merci, je le redis, de liberté, où chacun est de face à ses responsabilités et décide ou non de consommer. Et c'est à mon avis, quand même une très bonne chose. On a beaucoup de chance de vivre en France. Madame Dumoulin. Monsieur le maire, alors moi, je dirais, la mode, c'est la vie. Parce que la mode, c'est la diversité. La mode, c'est la possibilité de faire des choix. Et puis, moi, je voudrais quand même saluer ici les belles formations que l'on a sur notre territoire dans le domaine de la mode, des formations professionnelles supérieures qui conduisent des jeunes qui partent d'un bac pro et qui finissent avec dans des carrières brillantes avec des licences pro voire au-delà. Donc n'oublions pas toute cette part de formation que représente encore le Roannais dans le domaine textile. Et puis moi je voudrais aussi revenir sur le fait que il y a bien longtemps déjà que de belles entreprises rouennaises se sont emparées de la question du recyclage, qui travaillent, je ne veux pas toutes les citer parce que j'y passerai du temps, qui travaillent autour de cette grande question qui est la nôtre aujourd'hui. Regardez, nous sommes tous vêtus, heureusement d'ailleurs, et je suis sûre que parmi nous, il y en a déjà qui font des choix judicieux, c'est-à-dire, un, je regarde d'où vient le produit. Où est-il fabriqué? Parce que moi, je porte du produit ou français ou européen, fabriqué, je parle de la production française ou européenne. J'achète moins, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne aux jeunes à moins acheter. Ça, c'est une évidence. Du moment où j'achète moins, eh bien, je vais acheter plus qualitatif. Ça, c'est de l'éducation. Et aujourd'hui, vous savez, on apprend à bien manger. Eh bien aujourd'hui, il faut qu'on apprenne aussi à bien acheter. C'est un vrai travail, un complexe. Mais je crois qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire là-dessus. Donc continuons à soutenir, vous l'avez dit, Mme Rodkopf, notre commerce de proximité, parce que moi, je n'achète jamais autrement que dans le commerce de proximité. Continuons à soutenir les entreprises qui mettent en œuvre aujourd'hui des productions de haute qualité et continuons à soutenir le textile à Rouen parce que nous avons des formations d'excellence. Et évidemment, nous tenons à nos formations d'excellence sur le bassin. Merci. Madame Dumoulin, je n'aurais pas dit mieux. Nous sommes en phase. Bien. Mais après, bon, tout ça n'est pas antinomique. Voilà. Allez, je soumets à votre approbation donc cette exonération. Y a-t-il des votes contre? Alors, trois votes contre. Des abstentions, je vous remercie.
Nous passons à la culture et c'est Monsieur Banchet qui va nous parler des week-ends du musée Télérama. Merci Monsieur le maire. Comme chaque année, le magazine Télérama organise le week-end musée. Cet événement permet aux lecteurs du magazine de bénéficier de la gratuité des droits d'entrée pour 4 personnes maximum sur présentation du pass Télérama. Cette opération bénéficie d'une campagne de communication nationale permettant de faire découvrir ou redécouvrir les musées partenaires. Le musée Beaux-Arts et d'Archéologie, j'y arriverai. Oui, non, mais c'est bien, c'est en fin de journée, c'est normal. Joseph Deschlet participe chaque année à ce dispositif. La 15e édition aura lieu le 16 et 17 mars 2024. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver la participation annuelle du musée des Beaux-Arts et de Joseph Deschlet au week-end musée Télérama. Merci, Monsieur Banchet. Des questions, Madame Riamont. Eh bien, c'est l'occasion, Monsieur le maire, de se réjouir de cette gratuité et de renouveler ici notre proposition de gratuité toute l'année pour un musée. Je connais bien, et depuis longtemps, les chiffres à la fois de fréquentation et de recettes au musée. Et je pense que c'est à la fois de bonne gestion, me semble-t-il, mais aussi de bonne politique que d'envisager la gratuité du musée tous les jours, tout le temps, pour tout le monde. Madame Riamont, sachez que c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois et il ne vous a pas échappé que le libéral que je suis a rendu les médiathèques gratuites pour tous. Et qu'il ne vous a pas échappé non plus que nous travaillons actuellement et depuis longtemps, et ça va encore prendre du temps, sur une modernisation, restructuration, agrandissement du musée Deschlet. Et que par conséquent, nous travaillons aussi sur sa future organisation. Et dans le débat, effectivement, nous travaillons donc sur le sujet des droits d'entrée du musée et la gratuité fait partie des options de travail. Avez-vous d'autres questions ? Sur cette délibération, y a-t-il des votes négatifs, des abstentions ? Monsieur Brasseur-Minard, on reste au musée, mais cette fois-ci pour un avenant, une convention de dépôt. Tout à fait, monsieur le maire. Deux dessins de Louis Kahn appartenant au musée donc Joseph Deschlet, actuellement en dépôt au musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne. Le 25 septembre 2023, une convention de dépôt avait été approuvée par le conseil municipal du 14 septembre 2023, qui avait été signée donc entre la ville de Roanne et la ville des Sables d'Olonne. Suite à de nouveaux échanges entre nos deux villes, il a été donc décidé de modifier les termes de la durée du prêt. De ce fait, en ce sens, le dépôt est consenti pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction pour une période de 5 ans. Donc un avenant doit intervenir afin de formaliser cette modification. Donc il est demandé au conseil municipal de ce soir d'examiner et d'approuver l'avenant numéro 1 à intervenir avec la ville des Sables d'Olonne. Je vous remercie. Merci, monsieur Brasseur-Minard. Des questions sur ce rapport ? Des oppositions ? Des abstentions ? Monsieur Sergenton, notre musée, toujours lui, doit adhérer à différents organismes. Oui, merci, monsieur le maire. Depuis de nombreuses années, la ville de Roanne adhère à divers organismes et associations pour faire connaître les collections du musée Joseph Deschlet. Je vais vite passer en listant Roanne et Tourisme, qui édite chaque année une brochure détaillée des prestations proposées. Réseau de musées en Roannais, qui a pour but de fédérer et d'animer les 14 musées présents sur le territoire. Également, pour faire connaître le musée à l'échelon national et international, la ville de Roanne adhère au comité national français du Conseil international des musées, qui accompagne les professionnels des musées dans leur mission de service public, et par des publications, formations, conférences. L'adhésion est un peu plus importante, là, 650 euros pour 2024. L'Association française des régisseurs d'œuvres d'art accompagne les professionnels dans la conservation préventive. L'adhésion, là, est minime, 30 euros pour 2024. Et enfin, la Fédération des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires.
Il faut rappeler que Joseph Deschlette fait partie des 560 écrivains morts pour la France entre 1914 et 1918. Il était écrivain et archéologue de renommée internationale, considéré comme le fondateur de l'archéologie celtique européenne. Son manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, est resté une référence pendant des décennies pour les chercheurs de la proto-histoire européenne. La bibliothèque du musée fut sa bibliothèque personnelle. Sa mort sur le front en octobre 1914 à Vingré suscita une grande émotion nationale et internationale. Adhéré à la Fédération des maisons d'écrivains, mettra en valeur la visibilité de cette bibliothèque et celle du musée, et permettra d'appuyer le projet de demande de labellisation Maison des Illustres. L'adhésion, là aussi, est assez minime, 100 euros pour 2024. Toutes ces adhésions ont pour but d'établir des liens avec des professionnels confirmés sur tout le territoire national et de permettre au musée de partager et d'échanger avec d'autres structures culturelles et scientifiques afin de faire connaître la richesse des collections du musée. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver les adhésions listées ci-dessus et dire que les dépenses afférentes seront imputées au budget de chaque exercice concerné. C'est parfait. Des questions ? Madame Riamont. Non, non, on va le voter, ce n'est pas le sujet. Mais est-ce que, avec le temps nécessaire et sans vous précipiter, est-ce qu'on pourrait avoir un petit compte-rendu au fil de l'eau de ces différents... Enfin, du résultat qu'amènent tous ces réseaux, peut-être des actions qui se font, voilà. Voilà. Hein, Monsieur Banchet, vous avez entendu. Je me demande comment mes demandes vont être honorées, puisque M. Cassel ne sera plus là. Hein. Mais rassurez-vous, il a été extrêmement assidu. Il y a toujours une continuité dans le service public. Merci, M. le maire. Et sachez que vous connaissez mon sens de l'organisation, donc il n'y aura pas de faille, là non plus. Monsieur Banchet, vous avez pris note ? Oui. Très bien. Vous répondrez donc, après que Madame Dandrael nous ait fait un compte-rendu. Oui. Très bien. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous restons au musée pour vous parler du quatrième procès-verbal de la seconde campagne de recollement décennal. C'est Madame Rade-Petit qui va donc nous parler de cela. Oui, comme le Code du patrimoine l'oblige, les musées qui bénéficient de l'appellation Musée de France doivent réaliser tous les 10 ans un récollement. Donc l'inventaire des œuvres, c'est un inventaire qui est réalisé, permet justement à la fois d'apprécier l'intérêt scientifique, mais également et surtout leur valorisation. Au musée Deschlette, et dans le cadre d'une validation du nouveau projet scientifique et culturel du musée acté il y a bientôt un an, la campagne de récollement, la quatrième, a donc été réalisée par l'équipe du service. Elle a mobilisé à la fois des moyens donc humains et aussi physiques, pratiques. Donc, en réalité, 2243 fiches ont été récollées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, ce qui représente 8411 objets qui ont été vus, analysés, dépoussiérés, dont on a repris les informations, les mesures, l'état, etc., et puis qui ont été pris en photo, reconditionnés, localisés. Au total, ce sont 11 631 fiches qui ont été récollées sur les 28 075 œuvres enregistrées lors du premier récollement. Vous avez donc un procès-verbal qui détaille cette quatrième année de récollement, qui a permis de réaliser les principaux, en revue les principaux fonds suivants, pardon, qui sont justement notifiés dans le procès-verbal, les objets prêtés et déposés auprès des diverses institutions, fin du fonds des sculptures, la suite des collections de l'écomusée, nouvelles acquisitions, notamment les céramiques, le fonds Deschlette avec les albums photographiques, les tampons et les fonds des bannières du musée. 144 objets ont fait l'objet d'une inscription rétrospective sur le registre d'inventaire et 8 items ont fait l'objet d'une numérotation provisoire. 12 objets ont été déclarés comme manquants, mais il y a de fortes probabilités pour qu'ils soient retrouvés lors de la suite du récollement, échantillon du tribunal de commerce de l'écomusée. Un objet,
une enveloppe moderne a été proposée à la radiation et des fonds de nitrate dégradés irrécupérables ont fait l'objet de destruction, mais pas de radiation à l'inventaire. Et deux objets ont quant à eux été retrouvés. L'état général des collections récoltées lors de cette quatrième campagne est très bon, pour 56,45% des objets récoltés. La dynamique du récollement se poursuit donc à un rythme constant, permettant ainsi de découvrir ou redécouvrir des fonds de collection du musée, mais aussi de les enrichir. Il nous est donc demandé ce soir de bien vouloir examiner et approuver le procès-verbal de campagne numéro 4 de récollement et d'autoriser M. le maire ou son représentant à le signer pour transmission à la DRAC. Merci. Avez-vous des questions ? M. Place ? Oui. En page 3 du procès-verbal, il est écrit que le taux de radon est inapproprié dans les couloirs du musée d'Echelette. Vous m'entendez ? Oui ? Je vous entends, mais ce n'est pas les couloirs du musée, ce sont les couloirs des caves. D'accord. Il n'empêche que la question de taux de radon inapproprié, il me semblait que ce n'était pas complètement clair, c'est-à-dire quel était le taux de radon qui avait été mesuré ? Et est-ce qu'il y a un problème de radon au musée d'Echelette ? Et est-ce qu'on pourrait avoir des documents qui pourraient en tout cas montrer que le taux de radon est convenable au musée d'Echelette ? Alors effectivement, nous avons eu cette alerte et nous avons immédiatement pris des dispositions qui font qu'aujourd'hui, le taux de radon est tout à fait convenable par un système d'aération. Nous sommes sur un massif granitique. Je ne vais pas apprendre ça à M. Besson, qui connaît les géologies mieux que moi. Et par conséquent, nous sommes sur un territoire sur lequel il y a effectivement du radon. Donc le radon est quelque chose qui se traite notamment par aération. Donc chaque fois que nous avons une étude qui nous démontre qu'il y a des choses à faire, nous les faisons. Je vous en prie. Donc est-ce que vous pourrez nous transmettre le rapport qui montre que le taux de radon est acceptable ? Oui, on le mesure régulièrement. Merci beaucoup. Ok. D'autres questions, Monsieur Besson ? Oui, du coup, les mesures antérieures, elles dataient de longtemps ou pas ? Et la question derrière, c'est est-ce qu'on sait si les salariés du musée, dans le cadre de recollement, ils ont pu être soumis à des doses de radon supérieures aux normes ou pas ? Madame Suchel-Mercier, voulez-vous prendre un bout de micro, peut-être pour apporter des précisions ? N'est pas par le col, monsieur Murzy. Il y a tout un dispositif qui isole justement ces minéraux. Ces minéraux ont été placés dans une cave, dans des caisses en plomb soudées, spécifiques. Il y a eu toute une étude qui a été faite il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, je crois. Des mesures régulières sont faites aussi. Voilà. Donc c'est stocké, le personnel a priori maintenant n'a pas à être proche de ces minéraux, mais on a fait venir des spécialistes au moment où on a traité la question et tout est sous caisse en plomb. C'est bon, M. Besson ? Moi, je réfléchis en même temps parce que du coup j'ai vu que les taux étaient dans les couloirs. Alors, je ne sais pas depuis quand sont ces caisses en plomb, mais visiblement, il y avait donc du coup récemment, enfin dans les dernières analyses, des taux supérieurs aux normes. Et donc, du coup, je ne fais pas trop le lien entre... On vous fera passer les éléments, puisqu'il y a des relevés très réguliers, il y a des mesures qui sont prises. On doit même avoir des rapports techniques là-dessus, donc on pourra vous faire passer les éléments. Donc, les salariés n'ont pas été soumis à des doses de radon supérieures aux normes ? Non, non. Les salariés ne vont pas régulièrement dans ces endroits-là. Ok, si c'est confirmé, merci. Je soumets donc cette délibération sur le recollement à votre approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Lassaigne, nous passons au cadre de vie et nous devons donc conventionner avec Enedis pour une servitude de tréfonds. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Donc, dans le cadre du passage d'une canalisation d'Enedis sur une propriété de la ville de Rouen, il convient de conclure une convention de servitude de tréfonds sur une parcelle située 10 rue Rhin-et-Danube à Rouen, afin qu'Enedis puisse utiliser ses ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour le besoin du service public. Aussi, cette convention de servitude s'établit sur une bande de 3 mètres de large et 99 mètres de long, et sera sans indemnité. Les frais de l'acte seront à la charge d'Enedis.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver cette convention de servitude de Tréfonds à intervenir avec Enedis. Je vous remercie. Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. J'ai reçu deux questions diverses que nous allons traiter. La première émane de... j'en trouve mes notes. La première émane du groupe à gauche pour Rouen. Nous avons appris par les parents d'élèves qu'un nouveau règlement a été instauré lors des repas pris dans les restaurants scolaires. Pourriez-vous nous présenter ce règlement et nous en expliquer les raisons? C'est bien votre question. Mais il n'y a pas de nouveau règlement. Voilà. Aucun changement n'est récemment... Aucun changement de règlement n'a été instauré durant cette année scolaire, ni par rapport à la rentrée précédente concernant la restauration. Le règlement intérieur a été divisé le 4 septembre 2023 aux familles via le portail famille. Il est inchangé depuis. Oui, c'est peut-être une question de vocabulaire alors. Le mot règlement a été employé, mais peut-être c'est un nouveau dispositif concernant, comment je pourrais dire ça, j'aime pas trop ce terme, mais je vais l'employer, l'aspect disciplinaire de la cantine, non? Madame Brun. Non? Les seuls changements qui ont été faits, c'est la distribution des repas comme des self-service pour les enfants, pour que ça soit plus facile pour eux, c'est les seuls changements qui ont été faits. Donc, il n'y a pas un petit système qui, comment je pourrais dire ça, en fait, qui établit une règle concernant l'attitude des enfants. Non, il n'y a pas eu de changement. D'accord, bon, bien, je crois que c'est un problème de communication. Donc, je voudrais juste une petite question, monsieur le maire, si vous me permettez. Est-ce qu'il est vrai, madame Brun, que les enfants mangent dans le silence à la cantine? Est-ce que le silence est exigé pour manger? Non, non. D'accord, donc ils ont le droit de parler. On leur demande juste d'essayer de dialoguer entre eux sans hurler. D'accord. Mais c'est tout, il n'y a aucun silence dans les cantines. D'accord, donc il n'y a pas de dispositif pour la discipline, pour la gestion de la discipline. Non. D'accord. Et aussi, on leur tape sur les doigts avec des règles en métal. Oh non, je n'ai pas dit ça du tout. Chaque fois qu'il y en a un qui... Non. Non. Nous reviendrons peut-être sur le sujet. Merci. Non, que nenni. Ensuite, j'ai reçu une autre question donc, du groupe 88 de M. Besson. Question. Dans l'émission Vert de rage du 4 mars 2024, le thème était l'amiante dans les écoles. Il y joint une carte interactive sur laquelle on peut voir la situation de Rouen. Les résultats sont inquiétants mais sont anciens. À l'heure actuelle, y a-t-il de l'amiante dans les écoles de Rouen? Une évaluation récente du risque pour les enfants et les personnels présents sur des longues durées a-t-elle été faite? Si oui, peut-on avoir les résultats? La réponse est simple, les résultats peuvent être inquiétants dans certaines écoles en France, mais soyons précis, pour éviter de faire peur inutilement, nous n'avons pas d'inquiétude dans les écoles de Rouen et nous y sommes attentifs. Vous avez d'ailleurs la possibilité de trouver les données en détail par commune sur le site de France Info, qui indique que les différents diagnostics amiante de nos écoles n'imposent aucun travaux. Monsieur Place. Justement, je suis allé sur cette carte avec ce site de France Info. En fait, il y avait noté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en avait 7, mais il y en a certaines qui sont fermées. Mais il y en avait 7 écoles dont la présence était clairement avérée de la question d'amiante. Je ne sais pas si je peux donner les noms des écoles, mais concrètement, il y en avait une, par exemple, dont le diagnostic revenait de 2006 et la situation en fait, était fixée en 2016, donc il n'y avait pas de nouvelles informations. En fait, il n'y en avait qu'une seule
dans laquelle il n'y avait pas d'amiante et c'était clairement avéré sur le site de France Info. Sinon, les autres, il y en avait donc, j'ai dit combien, 6, 7, 8, quoi, qui étaient avec présence d'amiante. Et les autres, il n'y avait pas d'information. En fait, est-ce qu'on pourrait avoir accès au DTA, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un DTA dans chaque école, donc le diagnostic technique amiante? Est-ce qu'il y a un DTA dans chaque école qui est facilement accessible à la fois pour les enseignants et à la fois pour les personnels de direction des écoles et peut-être aussi pour les parents d'élèves? Et voilà, c'est un vrai esprit de vigilance. Alors, il faut savoir, M. Place, et vous ne pouvez pas l'ignorer, que de l'amiante, il y en a quasiment partout. Nous venons de faire 12 millions d'euros de travaux dans le centre administratif, dans tous les joints de fenêtres et les arrière-joints de fenêtres, il y avait de l'amiante, et le désamiantage nous a coûté près d'un million d'euros, 800 000 euros, rien que pour cela. Vous allez dans n'importe quel bâtiment dans lequel vous avez par exemple des dalles plastiques, dans la colle de ces dalles plastiques, quand elles ont été posées à une certaine époque, il y a de l'amiante. La question, ce n'est pas est-ce qu'il y a de l'amiante, c'est est-ce que cet amiante est un danger? La réponse est non, tant qu'on n'y touche pas. Tant que cet amiante est encapsulé, il n'y a pas de problème. Le jour où on décide de faire des travaux et qu'on doit effectivement enlever des sols plastiques, etc., oui, et là, toutes les précautions sont faites, sont prises avec des entreprises spécialisées pour le désamiantage, etc. Donc, je crois qu'il faut aussi être particulièrement rassurant pour les parents d'élèves, pour les enseignants, pour les élèves eux-mêmes, et ne pas agiter cela comme une arme politique. Oui, il y a de l'amiante dans les écoles, dans certaines, notamment, et de partout en France, hein, et dans des tas de bâtiments, mais non, il n'y a que quelques cas exceptionnels dans lesquels il est urgent, voire pas urgent, mais de faire des travaux pour enlever cette amiante parce que quand elle est usée, par exemple la dalle plastique, eh bien, l'amiante peut effectivement se retrouver donc, dans l'air, et donc il faut absolument traiter. Et donc nous sommes vigilants. Vous l'avez rappelé d'ailleurs dans ce que vous avez dit, l'enquête d'abord était une enquête déclarative. Seulement 30% des communes de France y ont répondu. En ce qui concerne l'école en question, je l'ai aussi. La date du diagnostic, c'était donc 2006. Et 2016, il n'y a pas eu de changement parce qu'on n'a pas fait de travaux. Donc à partir du moment où on ne vient pas créer un désordre, on laisse comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun danger dans les écoles de la ville de Roanne. Et il y a bien évidemment, j'en terminerai par là, un diagnostic par bâtiment qui pourra vous être transmis, puisque de toute façon, c'est un document qui est à disposition de chacun. Donc, je comprends que vous puissiez poser une question. Ce que je vis vraiment mal, c'est d'alarmer les parents d'élèves, alors qu'il n'y a aucune raison de les alarmer, parce que ça serait utiliser, la sensibilité, et on peut les comprendre, des parents vis-à-vis de leurs enfants, à des fins contestables. Deux choses. Premièrement, donc, du coup, vous pouvez nous confirmer aussi que les parents d'élèves ont accès à ce diagnostic technique amiante, parce que, et je suis complètement d'accord, il n'y a pas de problème si on peut les rassurer, mais du coup, pour être rassuré, ça peut être intéressant que ces parents puissent regarder eux-mêmes ce diagnostic et du coup, pouvoir être rassurés eux-mêmes. Donc, s'il est facilement accessible dans chaque école de Roanne, c'est parfait, et vous nous le confirmez, ou en tout cas, peut-être... Je veux dire, rassurez, jusqu'à ce que vous posiez la question, il n'y a pas de panique. Donc après, j'espère qu'il n'y en aura pas après votre question, parce que sinon, vous en seriez l'auteur. Je veux dire, même chose, un document technique n'est pas à la portée de lecture de tout le monde. Je veux dire, moi, vous mettez demain des plans d'architecte, je ne vais pas tout comprendre. Vous mettez des plans avec, effectivement, une analyse technique de bâtiment, je ne vais pas tout comprendre. Est-ce qu'il faut que, de notre propre chef, on aille déverser ces documents aux parents en leur disant « Voilà, on nous a demandé de vous le transmettre, et puis allez-y, hein, faites-vous peur ». Non, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui sont responsables. Vous êtes, je l'espère, puisque maintenant vous êtes élu quelqu'un de responsable. Donc, on va vous transmettre en tant qu'élu ces documents. Maintenant, je vous invite à en faire un usage qui soit un usage raisonnable. Mais je ne compte pas diffuser ces documents nécessairement n'importe comment, mais
Juste, est-ce que, là, parce que vous m'avez pas répondu à ma question, est-ce que si des parents le souhaitent, ils ont accès à ces documents pour chaque école? Moi, ce que je proposerais plutôt, c'est que si les parents le souhaitent, dans une école par exemple, eh bien, nous organiserons une rencontre avec nos services techniques pour qu'on leur explique ces documents. D'accord. D'accord. Et deuxième chose que je tiens... C'est comme moi, vous savez, vous allez chez le médecin, il vous fait une ordonnance à laquelle vous ne comprenez rien, c'est le pharmacien qui comprend l'ordonnance. D'accord. D'accord. Donc, après... il faut faire attention à la manipulation et à la transmission d'un certain nombre de documents qui sont techniques et qui peuvent effectivement ne pas être forcément compris par tous. Et moi-même, je ne les comprends pas, donc ce n'est pas une question. Donc, ok. Et la deuxième chose quand même que je tiens à dire, c'est que l'amiante tend à se développer quand les bâtiments s'usent. C'est-à-dire que concrètement, à l'école dont on parlait, si le diagnostic date de 2006 et que nous sommes en 2024, ça veut dire que c'était il y a 18 ans. Donc, être rassurant sur un diagnostic qui date d'il y a 18 ans, ça me semble un peu délicat. Non. C'est pas parce que vous avez une chaîne d'information qui a mis en valeur des documents qui datent de 2006 que les derniers documents datent de 2006. D'accord. Les derniers documents, ils datent de 2017. D'accord. Et là, on les renouvelle cette année. OK. Donc, moi, je vous invite d'ailleurs à attendre qu'on les ait renouvelés, puis après, vous penchez sur les documents de 2024. D'accord. OK. Nous sommes, et c'est la loi, tenus de faire attention, et vous avez tout à fait raison, un bâtiment qui contient de l'amiante à son origine, on le suit et il s'use en vieillissant. Mais petite histoire, petite anecdote, et je pense que nous avons des écoles qui sont anciennes, et lorsqu'on décide de construire une nouvelle école, qui va regrouper 4 bâtiments anciens, nous aurions aimé compter sur le soutien de 88 plutôt que sur son opposition à construire une nouvelle école qui n'aura pas d'amiante. Elle. On savait que vous alliez utiliser cet argument. Vous êtes bien renseigné. Je ne savais pas moi-même. On s'en doutait en tout cas. Et en fait, les deux n'ont absolument aucun lien. C'est-à-dire qu'on peut à la fois améliorer la qualité des bâtiments sans nécessairement les détruire et tout déplacer. Et on rappelle que le problème d'une grosse école, c'est que du coup, l'école est plus loin des habitations des gens. Et que d'un point de vue à la fois écologique, à la fois pratique, et aussi d'un point de vue du nombre d'élèves par classe, c'est souvent une mauvaise solution. Mais non, pardon de vous contredire. D'abord, vous méconnaissez les coûts de réhabilitation d'une ancienne école qui serait amiantée, et qu'on a généralement beaucoup plus intérêt à construire du neuf plutôt que de réhabiliter des choses qui sont effectivement, d'une manière ou d'une autre, qui sont polluées. Je ne dis pas que c'est la raison qui nous a amenés à construire une nouvelle école, mais ça fait partie aussi des conséquences potentielles que nous aurions pu trouver. Donc, je pense que nous avons bien fait de le faire en ce qui concerne la nouvelle école. Après, bien sûr que nous rêvons tous d'un monde donc idéal. Vous savez, nous sommes dans un bâtiment, il n'y a encore pas très longtemps, je ne suis pas sûr qu'on ne trouverait pas des peintures au plomb, y compris à l'hôtel de ville, parce que c'était des pratiques de l'époque. Je suis même certain qu'on trouvera d'autres bâtiments en ville, dans des administrations d'État ou d'autres, dans lesquelles on peut retrouver effectivement de l'amiante. Mais l'amiante, je le répète, si cette amiante n'est pas exposée, donc si elle reste, je dirais, encapsulée, il n'y a aucun problème. Simplement, effectivement, et c'est comme ça qu'on change, quand on décide de moderniser quelque chose, de changer un sol, là, ça nécessite de prendre des précautions, de désamianter, de changer le sol, et tout cela est traité par des entreprises spécialisées. Lorsqu'on a démoli Fauche-Sully, l'amiante a été traité. La dépollution, Gambetta République, nous avons eu combien de dépenses de dépollution? Ce n'est pas de l'amiante, on a eu 1 200 000 € de dépollution. Donc oui, je veux dire, c'est pas rare, c'est même fréquent, d'avoir à traiter des pollutions ou de l'amiante dans des bâtiments qui existaient. Et donc ça, nous le faisons, et nous le faisons dans les règles de l'art, et ça nous coûte cher, mais il faut le faire. Donc si un jour, il devait y avoir des travaux qui nécessiteraient donc de traiter l'amiante dans une école, bien évidemment que nous le ferons. Madame Valérie Promalet. Oui, pour compléter ce que vous venez de dire, monsieur le maire, il y a eu des remplacements du sol dans une des trois écoles qui va être fermée et à l'Arsenal. Donc on n'attend pas pour faire les travaux
Et quand il y a nécessité de faire les travaux, on les fait. On ne peut pas dire que les bâtiments soient laissés à l'abandon et que les enfants soient en danger. Oui, Monsieur Place. Alors, en tant qu'ancien ingénieur en bâtiment, le DTA, le diagnostic technique amiante, n'est fait uniquement que pour les interventions ultérieures. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient travailler, elle doit savoir qu'il y a de l'amiante à tel ou tel endroit. Bien sûr que si un faux plafond s'émiette, la dalle doit être remplacée tout de suite. Mais ce n'est fait uniquement pour ça. Au même titre que le plomb et... Monsieur Besson. Non, bah, écoutez, simplement pour conclure, nous, parce que vous employez à plusieurs reprises le fait de dire qu'on a une, je sais pas comment ça s'appelle, une intention politique d'en faire quelque chose ou quoi que ce soit, on a eu des informations qui nous conduisent à être vigilants sur ce point-là, vous questionner. L'important, c'est simplement que vous puissiez nous assurer que vous êtes en contrôle de cette situation et que il n'y a pas de difficulté d'un point de vue des risques sanitaires sur cette question-là, dont moi, pour le coup, je ne suis pas du tout expert. Je ne sais pas comment l'amiante et à quel rythme elle se dégrade, etc. Et c'est pour ça qu'on demande des informations qui nous permettent justement de rassurer. Et le fait de cacher l'information, enfin le fait de demander à ce que l'information elle soit reconfirmée ici en conseil, ce n'est pas dans le but de créer une polémique, c'est au contraire de pouvoir rassurer, puisque vous devez être, et vous l'avez dit vous-même, vous êtes en mesure de garantir qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'amiante dans nos écoles. Donc voilà, si c'est le cas et que vous avez les documents qui le confirment, pour nous, à faire classer, il n'y a pas de problème. Monsieur Besson, pardon, mais je ne vous crois pas. Je ne crois pas à votre sincérité. Si votre sincérité, c'était juste d'avoir de l'information, et vous l'avez d'ailleurs utilisé, cette méthode que vous venez d'utiliser aujourd'hui, vous auriez pu la traiter différemment. Vous écriviez au maire que je suis pour dire « Monsieur le maire, nous aimerions avoir des éléments concernant ». Mais le fait de le faire comme ça, en plein conseil municipal, devant la presse, devant le fait que nous sommes retransmis, si ce n'est pas une intention de polémique, qu'est-ce que c'est? Je ne vous crois pas. Une intention d'information dans le cadre de l'enceinte. Ça se traite autrement. Une demande d'information, ça se traite autrement. Je ne veux pas revenir sur des courriers que vous avez envoyés en saisissant le procureur de la République, mais c'est exactement les mêmes intentions. Quand on a des doutes, quand on a des questions, on questionne les gens. Non, on le demande procureur des réponses écrites. On ne va pas porter les affaires ailleurs. Le procureur de la... Alors, faut savoir, parce que du coup, ce n'est qu'une intention politique. Monsieur Nicolas, il faut savoir choisir entre sont les portes ailleurs, sont les portes en conseil. En l'occurrence, celle-ci, on la porte en conseil parce qu'on veut une réponse directe sans créer la polémique. En ce qui concerne la question du procureur, nous n'avons pas transmis publiquement ces informations. Elles ont été divulguées. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Et nous n'avions pas l'intention de créer la polémique mais là-dessus, simplement de vérifier certains éléments. Mais votre seule intention, c'était d'avoir des réponses, poser des questions aux gens qui ont les réponses, plutôt qu'à ceux qui ne les ont pas. Et c'est notre droit, et nous verrons les réponses qu'ils donnent. S'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il n'y aura pas de problème, moi je vous le dis. Et on en prendra acte, vous le dites, on attend que d'autres nous le disent. Et il n'y a pas de problème, on prendra acte, tout va bien. Mais non, nous ne sommes pas là pour la polémique. Mais bon, bref. Vous savez, il suffit de vous entendre pour voir qu'effectivement, l'objectif, ce n'est pas d'essayer de rassurer les gens, c'est de créer une polémique. Je vous remercie. Il est 19h12, la séance est levée.